sommes en direct avec Henri Giscard d'Estaing, qui est le PDG de Club Med. Heureux de vous recevoir pour VH TV et pour Challenge, qui sont nos deux magazines et qui sont là pour couvrir cet événement, ce magnifique événement dans cette magnifique ville Marrakech. Il fait très beau, il a fait très chaud, mais là il fait plus doux et plus agréable. Donc, première question que je vous pose, d'abord parlez-nous de l'esprit de ce mois du golf et du tennis. D'abord, allez-y. On a choisi Marrakech. Et pourquoi Marrakech? Parce que Marrakech, comme le Maroc, est au cœur de l'histoire du Club Med. Tout à fait. Et ce sont des lieux dans lesquels l'esprit même du Club Med est né et dans lesquels nous avons la fierté d'avoir contribué, aussi bien à Agadir qu'ici, à en faire des très grandes destinations internationales. Tout à fait. Et dans le fond, quand on a dû choisir le lieu pour lancer ce partenariat mondial entre Club Med et Lacoste, je me suis dit que ça doit être à Marrakech. À Marrakech qui est une des places fortes du Club Med. Dans Alors, bien sûr, voilà. Mais qui est aussi le symbole de la culture, de la beauté, de la nature et du sport. Tout à fait. Puisque ce lieu, lorsque le Club Med était installé place Mahafta, c'était un lieu dans lequel nos clients venaient jouer au tennis, pratiquer le golf et découvrir l'extraordinaire beauté de la palmeraie de Marrakech. Tout à fait. Restons sur cet esprit de Marrakech, sur la beauté de Marrakech. Vous connaissez le Maroc, ce n'est pas votre première fois. Oh non. Alors vous l'avez vu évoluer ce pays. Parlez-nous de ce pays que vous avez vu évoluer, le Maroc. Quel jugement, quel regard portez-vous sur le Maroc? C'est au Maroc que j'ai découvert le Club Med. La première fois que je suis allé au Club Med, c'était au Maroc et ici à Marrakech. Il y a très longtemps. On ne donnera pas de date. Rassurez-vous, je ne vous poserai pas cette question. Et donc, pour moi, ce que le Maroc et Marrakech combinent, et ce qui est un atout formidable dans le monde d'aujourd'hui, c'est deux choses. C'est l'histoire, la culture, la beauté naturelle et la qualité de l'accueil. Tout à fait. Le tourisme d'aujourd'hui, celui qui se développe partout dans le monde, de la Chine aux États-Unis, au Brésil, c'est un tourisme d'expérience. Tout à fait. Ce que les gens veulent, les familles, les couples, c'est des souvenirs. Et je suis convaincu que le Maroc est un des endroits au monde qui peut donner les plus beaux souvenirs. Tout à fait, absolument. Maintenant, parlez-moi de l'évolution du Club Med au Maroc. Voilà. Comment vous l'avez-vous, président de Club Med, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez... Parce que vous avez développé votre arrivée à donner un souffle nouveau au Club Med. Et ça, il faut le souligner parce que c'est très très important. Et le Club Med a retrouvé une certaine force incroyable aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour cela aussi que j'ai voulu que cette formidable partenariat entre ces deux grandes marques mondiales, symboles... Françaises, faut le souligner. D'origine française, enfin, mais présente dans le monde entier. Et je souligne que pour ce partenariat, vous avez édité 3 t-shirts aux couleurs de la France. Voilà. Absolument. Bleu, et blanc, on retrouve rouge. Le rouge de Marrakech et le rouge marocain voilà. Aussi. Mais on fera bientôt un t-shirt vert. Absolument. Et c'est ici, au Club Med de la Palmeraie de Marrakech, qu'en 2004, j'ai décidé que le Club Med allait monter en gamme et que le premier symbole de cette montée en gamme serait ce Club Med de Marrakech et ce riad dans lequel nous nous trouvons, qui incarne à la fois l'excellence de la qualité, de la réception, à certains égards le luxe, grâce à la qualité notamment de nos équipes marocaines qui l'animent et qui le développent pour nos clients, mais en même temps cet esprit de gaieté, d'activité, de sportivité, de convivialité qui est l'esprit du Club Med. Absolument. Donc c'est un lieu qui fait partie de l'histoire du club. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant cela, Gilbert Trigano, qui a été l'un des deux fondateurs du Club Med, avait, à la demande de Sa Majesté Hassan II, voulu contribuer à la renaissance d'Agadir qui avait été détruite par cette terrible tremblement de terre. Ouais. Et avait donc créé le Club Med d'Agadir.
Et quand il l'a inauguré, il a dit, de ce jour, le Club Med est devenu adulte. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, le Club Med, c'était des lieux merveilleux, mais des infrastructures très simples, des petites cases tahitiennes, avec un confort très sommaire, alors qu'à Agadir, pour la première fois, le Club Med était en dur. Ah, tout à fait. Et donc, deux des plus grandes étapes de l'histoire du Club Med se sont passées au Maroc. Tout à fait. À Agadir, le Club Med est devenu adulte. À Marrakech, il est devenu haut de gamme et mondial. Absolument, absolument. Et maintenant, parlons de l'aspect économique. Quelle est l'importance des Club Med Maroc dans l'esprit Club Med, dans cet univers Club Med mondial? Alors, il faut être lucide. Les 2-3 années que nous avons traversées n'ont pas été faciles. Absolument. Alors que c'est vrai que nos Club Med ici avaient un rôle important dans l'économie globale du Club Med, ça n'a pas été le cas de ces 3 dernières années. Mais il faut être optimiste et il faut regarder l'avenir avec confiance. Et ce que je vois de la tendance d'aujourd'hui et de ce qui se dessine pour demain, nous allons non seulement à un moment ou à un autre revenir à ce que c'était avant, mais aller au-delà. Marrakech, le Maroc, a vocation à être une destination mondiale. Tout à fait. Le Club Med a décidé d'être un leader mondial. Nous avions sans doute la possibilité, à la fois parce que nous avons la seule marque de vacances qui est une notoriété mondiale, elle est connue des Américains, des Australiens, des Brésiliens, des Canadiens. Partout dans le monde. Et aussi un mode de vacances, notamment pour les familles et les couples actifs, sur lequel nous sommes probablement, en tout cas nous essayons, et nous essayerons très fort toujours de l'être, les meilleurs. Et sur cette base, je pense que le Maroc doit pouvoir devenir une des premières destinations mondiales. Absolument. Parce qu'il y a au Maroc... Là, ce sont vos projets, pour le Maroc. Pour le Maroc. Absolument. Et c'est pour cela que, j'ai voulu que l'annonce de ce partenariat soit ici, pour qu'elle remette l'attention et le focus sur Marrakech. Sur Marrakech, absolument. Pour montrer que Marrakech a une grande ambition, qui est de devenir une des grandes destinations mondiales, comme les Bali, comme les Cancun. Marrakech peut le devenir et le Maroc avec lui. Absolument. Et notre ambition, et mon ambition, elle est très claire. C'est notamment, puisque le Club Med est aujourd'hui un des très grands acteurs du tourisme en Chine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est notre deuxième clientèle. Nous avons accueilli l'an dernier 200 000 clients chinois. Excellent. Des familles, des couples qui ont envie de dépenser pour leurs vacances. Et il faut que nous leur fassions découvrir le Maroc et Marrakech. Absolument. Ben, je vous souhaite tout le succès du monde et tout le bonheur du monde. Marrakech vous va si bien, Marrakech s'adoucit. J'ai envie de vous poser une dernière question sur justement Marrakech et vous. Vous m'avez parlé que c'était ici que vous avez découvert le Club Med. Voilà. Et j'imagine que vous, à chaque fois que vous venez aussi, c'est avec une énorme nostalgie. Votre enfance a été vécue. C'est ici que je l'ai découvert. C'est ici que j'ai décidé et annoncé ce qu'a été sa transformation, sa renaissance, je le crois. Et c'est aussi ici que mon père, qui a beaucoup d'amour et de respect pour le Maroc, tout à fait, et voilà, était si proche de ses dirigeants, est venu avec son petit-fils pour voir le Club Med nouveau. Tout à fait. Ben, sur ces belles notes et sur ces notes de famille, on clôt cet entretien. J'ai été ravi de partager ces moments avec vous, Henri. Et puis, plein de bonnes choses. Et puis plein de bonnes choses pour tout ça. Et pour bien d'autres. Super.